Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Binding of Isaac. Et j'ai tué le cœur de maman une fois. Donc, on va changer de personnage et on va prendre lui. Parce que lui, il est bien. Parce que c'est avec lui que j'ai réussi. Que j'y ai réussi. Ceci était absolument abominable. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez compris. C'est ce qui compte. C'est l'important. Et on a une clé, donc ça c'est cool, ça commence bien, c'est super. C'est exactement ce que je voulais. Donc on va prendre lui, donc on a un cœur. Et le truc là qu'on a, je crois que ça nous donne... comment ça s'appelle? De la puissance. Voilà, c'était le mot que j'ai cherché. La puissance. Alors par contre, ouais, alors, le cœur au début, c'est bien, mais il faut vite qu'on trouve de quoi augmenter notre cœur, parce que sinon bah, on va juste mourir lamentablement, et donc notre clé ne nous sera d'absolument aucune utilité. C'est certainement pas lui. C'est bon, on l'a eu, donc on va enlever les caca et c'est parfait. Voilà. Par contre, il y a beaucoup de salles là, je trouve, au début. On va aller chercher la salle des objets. Rien à exploser, très bien, très bien. C'est parfait. Alors. Ah! Oh non, c'est pas cool. J'aurais voulu un vrai coffre. Ah! Ah, oh, c'est merveilleux! Ah, oh, c'est génial! Oh bon, bah écoutez, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. Ça va bien nous aider. Alors j'espère que je vais pas déconner, parce que... Je sens d'être très très fatiguée, donc j'espère que je vais pas faire encore plus de bêtises que d'habitude. Ok, bah écoutez, si je pense que si on va faire quelque chose. Puissance, voilà. La puissance, je ne suis pas contre là, je vais dire oui. Je dis oui à la puissance. Ah. Attendez, voilà, c'est bon, je l'ai eu. On va prendre le petit cœur en plus. Alors ça c'est bien pour les mouches, mais un cœur supplémentaire j'aurais préféré. J'ai gardé la clé pour pouvoir ouvrir la salle de l'objet, ça me paraissait plus intelligent que le coffre. Parce que ça se trouve on n'aura pas de clé à ce niveau, donc c'est... C'est une tentative de ma part, bon, très bien. Je n'irai pas de l'autre côté, c'est mort. Bon, elles sont où, je peux me permettre. Voilà. Comme ceci. Alors, du coup... j'espère qu'on va avoir de la chance, là. Je vais essayer ici, du coup. Ouais. Très bien. Très bien. Ok, alors, d'accord. Alors, non, genre, j'ai pas de chance du tout. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, ça, en 3 coups, normalement, ils sont morts. Donc, je pense que ça devrait aller. C'est bon. Ça a été. Bon, on va refaire un tour dans la salle d'arcade. On l'a eu un peu tôt. On n'a pas beaucoup de cœur encore pour faire ce genre de choses. C'est bien, mais c'est pas un cœur qu'il me faut pour l'instant. Ça, je l'ai pas, donc comme ça au moins ça c'est fait. Comment on va s'en sortir? Oula, j'ai failli me jeter sur sur ces boules, ça ne va pas du tout. Je fasse attention. Voilà, c'est parfait. Oh, des sous. Ah, oh, ça c'est bien ça. Ah ça, je crois que c'est Poison Touch. Non. Speed and Rage. Ah bah c'est parfait, écoutez, Roid Rage. Bah c'est génial. On retourne dans la salle d'arcade. Au cas où ça nous donne quelque chose d'intéressant pour la suite. Histoire qu'on meure moins. Parce que ce serait bête d'aller dans une salle et de mourir ensuite lamentablement. Ok, très bien. Ah ça c'est cool ça. Des clés. Ça m'intéresse. Hop. Toujours rien, très bien. Ok, dans le genre j'ai la poisse. Oh mais c'est pas possible!
Mais je rêve. Pourquoi? Pourquoi ça me fait ça? Autant de malchance, c'est pas croyable. Ah, ça, c'est bien ça. Par contre, au niveau des clés, on est gâtés là. Là aussi. On va récupérer le sou. C'est bien, on a des cœurs. Alors, ce qui serait encore mieux, on va rester à la salle d'arcade. Ce qui serait encore mieux, ce serait d'avoir des vrais cœurs supplémentaires. Parce que là, on a beau nous donner des cœurs, si jamais on en perd deux de vrais, j'entends, bah on est un peu foutu. Donc, ce serait bof bof. Mais ah! Je vais le faire exploser lui avant de partir. Il va y avoir besoin. Alors, du coup, salle suivante. Pour le prochain boss, j'aurais vraiment aimé avoir quelque chose de bien. Un objet qui soit bien, en fait. Et qui soit encore mieux. Eh ben non! Donc on va y aller, on va prier très fort et puis voilà. Oh! Pin! Oh, faut, si là je meurs sur Pin. Ah, c'est un gros en plus. On va la tirer là. Voilà, c'est bien. Ici, ici, là. Ici. 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 Moi, oh, j'ai fait faire une bêtise là. Ici. C'est bon, on l'a eu et on a plein de cœurs. Ce qui. Le chariot, c'est quoi? Alors attendez. Chariot. Oh, j'ai tout préparé. Maintenant, je ne me fais plus avoir invisibility. Et je l'ai fait mal. Je peux pas attaquer à moins d'avoir le couteau de maman. Bon, là, on va rien prendre de toute façon. Donc, ça coûte rien d'essayer. Et on a toujours pas de sous. C'est franchement bof. Hein. Au niveau des cœurs, on est vraiment, vraiment mal. Là. Bon, bah, on continue, hein, y a rien. Y a rien. Bon. Très bien, j'ai oublié de me déconnecter sur Skype. Donc, voilà. Je suis déconnectée. Alors. Alors. Voilà. Ah, merde. Ah mais faut pas que je déconne là. Oh. Pas de bêtises. Voilà. J'ai fait faire une grosse bêtise. Oula, j'ai eu un bug là. Ça. Ah. Pardon. Du coup. Comment je me la fais celle-ci? Moi je vais la faire au fur et à mesure du coup. Putain, si on meurt à cause d'une mouche, je vous jure. Je vous jure que ça va pas le faire du tout. Donc je vais être prudente. Je vais être excessivement prudente. Ça va être très chiant, mais c'est pas grave. Je préfère faire ça que... Voilà, donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Qu'est-ce que ça fait ça? Mitre. Fin blessed. Je crois que c'est trinket. Mitre. Ah mais c'est en... Ah bah attends, est-ce que c'est en anglais ou pas? Mitre. Très bien, mais alors le vrai mitre. Mitre. Est-ce que ce serait ça? Ce serait plus simple. Mitre. C'est dans passivité. Ah. La chance de... Oh non, mais je... Ah, des sous... Ah remarque, non, oui, vu que mes trucs sont pas pleins. Des soul hurts, ça peut ne pas être idiot. Concentration absolue, pas de bêtises. Très bien. Là pour le coup, il me faudrait un cœur. On va prendre celui-là déjà, ce sera déjà ça. Voilà. Ça nous conférera une sécurité supplémentaire quand même. Alors, c'est parti. On va où? Excusez-moi, je surveillais l'or en même temps pour pas être en retard. Alors, je voudrais pas faire de bêtises en fait. J'ai vraiment peur de faire des bêtises.
Frida. Non mais bouge! Excusez-moi. Je vais surveiller ma petite vie. Bien surtout toi aussi. Voilà, alors je continue à perdre de la vie. On va aller voir par là. Meurs toi aussi, meurs. On va récupérer ce cœur là également par sécurité. On va certainement pas aller dans la salle de duel parce que là je suis pas bien. Je voudrais un vrai cœur. Bon, attendez, je vais essayer de me concentrer. Tout bêtement. Ah, je fais pas beaucoup de dégâts là. Voilà, on l'a tué. Donc c'est bon, on n'a pas pris de dégâts, tant mieux, tant mieux. Non, non, je vais garder boucle de Bélial. Mais rends-moi le bouc. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, du coup. Bon, on va continuer à chercher la salle. La salle des objets. Elle est où? Ah bah j'ai déjà trouvé. Ah merde. Bon, attendez, on va récupérer là, parce qu'il y a quand même pas mal de sous. Et on va être obligé de se faire le boss dans cet état. À moins qu'on essaye d'aller voir la salle des objets à acheter qui est un cas. Qui est des cœurs. On va essayer. Ouais, bon, on va prendre celui-là. Voilà, et on va y aller. Bon, on a un truc invisibilité. On a le livre de Bélial. On va l'utiliser direct, je pense, à chaque fois pour les boss. Et puis voilà. Ouais, on va l'utiliser direct. Ça va là. Je vais me taire là si vous voulez bien, parce que je suis fatiguée, pas concentrée. Et j'ai besoin de vraiment me concentrer là. Bon. Alors. Ah. Voilà, c'est bon, on l'a eu, on va bien, tout va bien, c'est bon. C'est bon, donc on a tout récupéré dans ce niveau, donc on passe au niveau suivant, ok. Par contre, on va se retrouver dans les depths avec un cœur, quoi. Un cœur rouge, ça c'est mauvais, ça. C'est mauvais parce qu'on n'ira pas loin du tout, en fait. Dans un état pareil, on pourra pas faire grand chose. Alors, on continue. Ok, très bien. Voilà, à toi. Ils sont pas en même temps, alors je vais prendre lui. Très bien. Je bouge. Fasse gaffe. Attention. Ah, ça c'est bien ça. Je sais pas ce que ça fait ce champignon. J'ai peur des champignons maintenant. Damage up. On a grossi un petit peu, c'est pas bien ça. Ah, on a gagné un cœur supplémentaire. Si on trouve un cœur, c'est bon. On a un deuxième cœur rouge. On va essayer d'avoir un cœur du coup. Oh non. Ça arrive qu'à moi ce genre de choses. Enfin, ça arrive pas qu'à moi, mais... Voilà, c'est un peu la merde. Merde. Bouge, 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 bouge.
j'en ai marre, putain. C'est bon, on l'a eu. Ok. Bon, ça va, on aurait pu s'en sortir beaucoup plus mal. Alors du coup, j'ai utilisé le livre de Belial, faire qu'on le fasse repop avant le boss. Sinon, ça va être dur. Ah. Voilà, c'est bon, on les a eu. En plus, on a un demi-cœur, c'est parfait. Alors voilà, hop là. Il va nous en falloir un peu plus, cela dit. On a déjà pris les objets dans cette salle. Oh putain, la merde. Toi, tu meurs, lâche-moi. Toi, tu meurs, toi, tu meurs. Alors, par contre, on s'est fait massacrer. Ça, c'est pas cool. Non, mais attends, non, non, c'est pas possible. Non, attends, attends. Faut que je me concentre. Concentration, s'il te plaît. Merci. Voilà, alors. Est-ce qu'on essaye? On essaye d'aller voir, on a plein de... Ah. On va... se souvenir qu'il y a un cœur à vendre là-dedans. Et on va continuer notre chemin. Bouge! Pourquoi je suis coincée? Ça, j'étais complètement coincée, j'ai pas compris. C'était bizarre comme bug, ça. Ma souris, des fois... Non, pardon, mes touches, des fois. Je pense que c'est à force de jouer à Isaac, elle se coince un peu. Et c'est vachement handicapant. Parce que dans Isaac, il faut des réflexes et quand même les touches s'y mettent. Alors, déjà de base, on n'a pas trop de réflexes. Et qu'en plus les touches s'y mettent, c'est légèrement une catastrophe. Alors. Je vais essayer de peut-être pas trop parler. Non, ça donne plus de pilules, j'en veux pas. C'est pas toi que je voulais... chercher le cœur. On dépense des sous, mais je préfère avoir un demi-cœur supplémentaire en sécurité plutôt que de prendre le risque de faire n'importe quoi. On a le chariot pour nous rendre invincibles si besoin. Et on a le livre qui a repop. Donc on va servir du livre d'abord, direct. Et puis voilà. Et on va arriver dans Depth avec pas grand chose en cœur, donc c'est un peu risqué. C'est même carrément risqué. Attendez, hop là. Oh non. Ah, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais sur la plus. Ouais, ouais. Saloperie. C'est vraiment une saloperie ça. On l'a eu. C'est bon, et là on en a deux. Donc c'est très bien, donc on va prendre ça, on va prendre ça et on va aller dans la salle divine. Et nous avons Holy Graal, HP up. Ah, et en plus on vole. Pardon. Et ben si on continue alors, du coup, ce que là il n'y a pas d'autres cœurs dans la salle. Bon, on arrive dans Depths, on vole. Ah, j'aurais peut-être dû vérifier, mais je crois pas qu'on ait laissé des pièces à ce niveau-là dans. Je suis même quasiment sûre que non. Allez, voilà. Attention, pas se blesser. On n'en a rien vu. Et évidemment, c'est un truc qui s'utilise avec espace. Donc rends-moi mon livre de Belial, merci. Donc en plus, on n'a pas de chance au niveau des salles. Ah, je peux voler. J'avais oublié. Ça devra me lâcher. Qu'est-ce que c'est? Ghost Guppy's Tail? C'est quoi ça, Guppy's Tail? Guppy's Tail, c'est dans quoi? Guppy's Tail, les chances de
Deux coffres, d'accord, très bien. Des chances de coffre. Dans Depth, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, ça vaut le coup. Et est-ce que ça vaut le coup? Ouais, ça vaut le coup, ça aussi. Donc, alors, on y va. Je ne prends aucun risque. Sachez-le, je ne prendrai aucun risque. Je peux passer au-dessus des pics aussi. Ah, c'est trop bien! Ça va nous aider, ça, de pouvoir passer au-dessus des pics, hein. Vraiment, parce que ça, c'est une plaie. Pour quelqu'un de maladroit, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, hop. Ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça. On a rien. Ok, alors. Je crois qu'il peut rien faire, en plus. Nickel. C'est parfait. Ah, j'aurais peut-être pu y retourner. Ok, bon, très bien, restez là. Oh! Heureusement qu'on a eu cet objet, hein, parce que là on aurait fort bien pu mourir. Hein. C'est un type d'ennemi qui me pose problème. Ok, donc est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on va faire le boss? Je vous proposerai à la limite d'aller faire le boss maintenant. Parce que on a déjà fait la salle des objets, la salle des trucs, et ben voilà. Et notre truc est remonté. Endless Horseman. Alors on va faire le bip là. Le truc qui fait ça. Voilà, c'est bon, on l'a eu, et en plus on a le poney. Mais je vais garder le bouc de Bélial, parce que le bouc de Bélial, c'est quand même mieux, je trouve. Donc voilà, Legba, gros câlin. Désolé, je préfère le bouc de Bélial. Voilà, donc je te laisse faire une partie où tu gagnes avec le poney, pour prouver qu'il est bien. Alors, attention à ne pas faire de bêtises, c'est typiquement ce que je fais. Voilà. Okay. Alors, j'aurais voulu essayer de retrouver des cœurs, mais alors. Ok, alors je vais essayer de prendre comme ça. On va attendre que ça c'est fini. Je sais pas si je prends les dégâts de poison avec ça, évidemment. Des araignées toujours. Est-ce que je tente ou est-ce que je tente pas? J'ai peur de continuer à faire les salles parce que. Mais en même temps on peut trouver des trucs, hein, donc je sais pas. J'hésite. Je pense qu'on va être joueur et puis ouais, c'est pas une bonne idée d'être joueur en fait. Faut pas être joueur à ce jeu. Mauvais plan. Ok, donc ça, ça va nous donner une troll bomb. D'accord, très bien. Donc là, ici, on a perdu de la vie pour rien. Ici également, bien sûr. Hein. Ça c'est cool ça. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à fouiller. Ok, on tombe sur des trucs intéressants, ce qui peut arriver. Parce qu'il y a des chances d'arriver d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Bon, alors attendez. Poison, très bien. J'ai un peu peur en même temps, je suis pas tranquille. Ok, alors je perds de la vie là. Attendez, comment il a pu arriver à ce niveau-là là? C'est bizarre. Donc là, je lui fais mal quand même.
D'accord, donc là ça ne sert à rien. Donc on perd vraiment de la vie pour rien. J'aurais peut-être dû passer de niveau directement, mais je sais pas, j'espérais trouver des cœurs, mais en fait non. Je crois que j'ai trouvé la perte de cœur surtout. Mais bon, ça valait le coup de tenter, je pense. On aurait pu tomber sur des trucs bien. Hein. Pourquoi je l'ai pris? Ça m'enlevait des cœurs. Oh non, mais je me fais avoir. Mais putain, mais c'est pas possible. Pourquoi je me fais avoir à chaque fois avec ce truc là? Oh non. Oh. Ouais, j'ai oublié de le faire exploser la machine au niveau d'avant. Du coup, je fais n'importe quoi. Non, là vraiment, je suis pas contente d'avoir eu ça. J'aurais pas dû le prendre. Je regrette sincèrement de l'avoir pris, parce que moi j'ai davantage besoin de perdre des cœurs que de gagner des vies en fait. Zut. Je dis zut. Franchement zut, parce que vraiment c'était pas... Il y avait moyen quoi, il y avait vraiment moyen, mais là... Là il n'y a plus vraiment moyen. Ça. Et lui, là. Qu'est-ce que ça nous... Ah ! Nous faire venir. Voilà, ça, c'est assez horrible ce truc. Ah, vraiment, je m'attends au pire à chaque fois. J'aime pas ces coffres. Pourquoi je tombe... Est-ce que j'ai ramassé un truc qui donnait des coffres comme ça, mais c'est nul. J'ai pas de sous. Bon, attendez, je veux mes filles, une papatte. Ah mince, comment je vais trouver une papatte? Je crois pas que ce soit ça. Hein. C'est pas là. Non, c'est pas là. Une papatte. Une papatte, une papatte. Je crois que c'est ça. Trois sous l'or. Ah, tu rêves. Je ne te prends pas. Tu es le mal incarné. Je garde mon cœur rouge parce que sinon je suis morte. Déjà que j'avais pas envie de le perdre. Et que j'ai perdu les deux cœurs durement gagnés que je voulais absolument parce que j'ai pas fait gaffe. Ça m'apprendra. Je serai plus présente à l'avenir. Donc le cœur, le chat mourant, faut pas le prendre. Faut pas prendre le chat qui meurt. C'est la vacherie. Qui me fait perdre mes cœurs à chaque fois. Je râle contre, mais je le récupère à chaque fois quand même. Donc je comprends pas. Je crois que la leçon, je ne la retiens pas. Qu'est-ce que ça fait ça? Friendstilfienne. Hein? Bah oui. Donnez-moi des cadeaux. Voilà. Alors suivant. Ok, on va finir les petites d'abord. Je pense. Si j'y arrive. Surtout si j'y arrive en fait, ça va être ça le plus compliqué. Oh, mourez, 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 mourez. Vous êtes mort, c'est très bien. Évidemment. Me tue pas. Voilà. Alors, c'est pas évident. C'est loin d'être évident. Comment on va faire là? Allez, mais meurs. Qu'est-ce que ça fait ça? Liberty Cap ou Left End? Qu'est-ce qui est mieux? Je crois que c'est ça, non? Alors attendez. Non, je suis pas dans le bon truc. Ça doit être dans les trinkets. Liberty Cap. Liberty Cap. Brand of Passive Effects Mushrooms. Et Left End, ça fait quoi? Left End. C'est pas là. Left End. Ah.
Ouais, alors on va garder le champignon plutôt que ça, ça remplace les coffres par des coffres. Non, on va aller voir les objets que je peux trouver. Enfin, on va chercher la salle d'objets avant d'aller voir le boss parce que. Parce que j'ai peur. D'ailleurs, elle est là, la salle d'objets. Elle est loin. Pourquoi là je. Ah, c'est un random effect. Ça, c'est mon téléphone. Ah, il serait temps que. Non, je vais pas dire ça parce que je vais me porter à presse. Disons que j'ai plus beaucoup de temps là. Alors, voilà. Bon, évidemment, je n'ai plus. Putain! La poisse! Ok, alors ça c'est fait. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a rien d'intéressant. Très bien. Ok, alors on continue. Mais meurs! Mais fais-toi tuer en fait! Attendez. Non, c'est pas le truc espace. Si, c'est le truc espace. Je suis venue perdre de la vie pour un truc qui se fait avec espace. Je suis déçue. Je prends pas la santé parce que ça sert à rien de perdre de la santé pour. Encore. Qui m'embête? Alors, faudrait peut-être que je le mette. Attendez, je vais le mettre sur silencieux. Bon, moi sur vibreur, ça embêtera moins. Voilà, ça embête moins. Hop là. Et ça ne coûte rien. Bah on va se faire le boss dans ces conditions. Attendez, avec un peu de chance, on pourra peut-être avoir un cœur. Un cœur gris. Ou pas. J'ai pas confiance. Quoique, attendez, je vais essayer quand même. Si ça m'enlève un cœur. Tiens, zap. Ok, c'est déjà ça. Et puis on va le faire exploser aussi tant qu'on y est. Tiens, zap, ça va pas nous faire de mal. On y va, on claque le livre de Bélial. Oh merde, c'est maman! Très bien. On fait ça en silence, vous ne m'en voudrez pas. C'est bon, on l'a eu! C'est bon, on l'a eu et on a gagné un cœur supplémentaire. Par contre, ça a été vraiment de justesse, on n'est pas passé loin. Alors, on change de niveau. Et on ne panique pas. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Je crois que c'est la première fois qu'on tue maman ensemble. Je crois, je suis pas sûre. On va faire ça cool. On va faire ça très cool. Parce que voilà. C'est comme ça. Alors donc. On va essayer de ne pas mourir lamentablement. Et on nous donne un cœur. Ça c'est gentil ça. Ok, alors on va d'abord tuer ça parce que ça fait très très mal. Enfin, moi ça me fait très mal. Et voilà. Alors une clé. On tombe sur un coffre comme ça. Voilà. Mes pires cauchemars réunis dans une même salle. Très bien. Ça, j'en veux pas. Voilà. On va essayer de trouver la salle d'objets. On va essayer de trouver la salle d'objets. Par contre, j'hésite parce qu'on a pas mal de cœurs. Est-ce qu'on tente de faire. Plutôt. Attendez, attendez, attendez.
repère de la vie, ça va pas. Pinky Eye ou Liberty Cap. Pinky Eye, c'est quoi? Pinky Eye, Poison Tears. Je préfère les mushrooms, je crois. Quoique ça fait mal. Ouais, mais 10% de chance, bon, on va prendre ça. On va dire que c'est après. Hein. Ça crache des petits trucs verts, ça, si. Mais c'est mignon, ces petits bonhommes là qui sortent comme ça. Ils sont choupinous. Attendez, non, mais il n'y a plus de salle d'objets en fait. Je viens de me rappeler, il n'y a plus de salle d'objets, donc on a perdu de la vie pour rien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, si ça peut nous faire du mal, mais... Ça peut aussi nous donner des cœurs, donc... Ça peut valoir le coup. Bon, lui, il peut faire très mal. On peut aussi remarquer, non. On va d'abord essayer de se débarrasser de ça. Et maintenant, on va essayer de se débarrasser de lui. J'aurais bien des cœurs, est-ce que c'est possible d'avoir des cœurs ou pas? Il faut... Il faut faire je sais pas quoi pour avoir des cœurs. Ah merde, attendez, je suis en train de mourir là. Je vais mourir lamentablement pour rien. Ce sera pas pour rien, c'est parce que je fais des bêtises. Alors, nous avons perdu beaucoup de cœurs, ce serait bien qu'on nous en redonne. En fait, ce serait pas mal. Je peux récupérer des cœurs. Non, c'est pas cool ça. Voilà. Ah merde, c'est vrai, j'ai 9 vies. Bon, on va réessayer une vie ici. En fait, non, on va pas réessayer une vie ici. J'aurais dû aller directement au boss. Parce que c'est vrai qu'on revient avec un seul cœur. Donc, attendez, on va aller voir par là. On peut pas essayer de choper un cœur. Bon non, ça va pas le faire du tout en fait. Je pense qu'on est un peu mort. Je pense qu'on est un peu mort. Ouais. Y a pas une machine, s'il y a une machine. Alors attendez. On va aller à la machine et on va faire le boss et on va. On va utiliser le livre de Bélial automatiquement dessus. Et ah non, c'est pas une machine, c'est un mendiant. Bon écoutez, voilà. Def, je ne connais pas Def. C'est très bien, on va découvrir un truc ensemble avec un cœur. Ok, vous voyez, ça peut nous poser problème. Qu'est-ce que c'était? Ah d'accord, c'était ça. Et je n'ai plus le livre de Bélial. Du coup ça, je pense que ça peut me faire très mal. C'est pour combien de temps que j'ai invisibilité? De chercher des cœurs gris, je peux pas le battre comme ça. On va essayer de passer des portes pour remonter le livre de Bélial, mais je pense que c'est mort en fait. Je pense que c'est mort pour cette fois. Ça me paraît totalement impossible d'y arriver.
Tu vas mourir. Meurs. Voilà. Ils veulent pas mourir non plus. Les pauvres. Ils font mal au cœur aussi. Hein. Ouais, c'est le cas de tir. D'accord, donc ici il n'y avait rien. Très bien. Et donc voilà. Voilà. Je pense que on est mort. Voilà. C'est mon dernier cœur. Je sais pas, Bélial. Je vous propose d'aller mourir sur le boss. C'est quand même plus sympa de mourir sur le boss que de mourir contre un. Petit bonhomme du genre araignée, hein, donc, voilà, donc je sais pas comment le tuer. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis jetée dessus. Bon, au moins c'était c'était un suicide involontaire, donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu, et du coup, bah, je vous dis à une prochaine fois pour revenir ici sans prendre le chat. Parce que sans le chat, en fait, on s'en serait tellement bien sorti. Je pense qu'on aurait même pu retuer maman, donc voilà. Merci le chat. Bah écoutez, passez une bonne journée, passez une bonne semaine et à bientôt. Portez-vous bien. I said